parler de cinéma depuis la semaine dernière et qu'on a prolongé cette semaine grâce à l'aide du propriétaire de ce lieu qui est la Ferronnerie, qui est un lieu surprenant. Qui nous écoute pour ce moment. Donc à l'intérieur. Je te suis. À l'intérieur, tu rentres dans la salle de l'adoption. Parmi les dizaines de milliers de documents en film qu'on a, vu qu'on n'a pas des locaux adéquats pour en faire la valorisation qui permettrait de faire vivre ce patrimoine, on propose aux gens d'en adopter une des photos qui leur plaît et d'en devenir les gardiens pendant un an en salant un petit contrat d'adoption. C'est une idée qu'on a empruntée au musée Nice et Forniebs. Je fais l'idée d'exposition hors les murs et pour faire vivre le patrimoine hors des cartons. D'assumer notre activité de cinémathèque et pouvoir maintenir notre activité salariale, puisqu'on ne reçoit aucune subvention pour conserver le patrimoine cinéma, on vend ce matériel-là en faisant appel au soutien du public. Également, c'est l'occasion pour nous ici, dans ce lieu qu'est la Ferronnerie, de pouvoir montrer ce qu'est une cinémathèque à travers d'expositions d'affiches, de PLV. On a ici juste derrière une exposition, mais alors je ne sais pas si tu pourras la filmer, c'est une exposition moins 18 de l'ancien cinéma pornographique, le cassette qu'on a sauvé et qu'on ouvre le soir et la journée on le laisse. On fait également des ateliers de réalité virtuelle, des ateliers de grattage de pellicule pour initier aux gens cette technique. On peut faire en deux parties, le film officiel et le film qu'on met avec. Oui, on va faire ça après. Je te montre ça plus tard. Il y a combien d'affiches à peu près là qui sont à vendre? Il y a plusieurs milliers. Hein. On a, l'idée de la braderie, c'est également qu'on réalimente en permanence en fonction à la fois des expos, à la fois de ce que les gens achètent. On a ramené près de 1000 DVD d'Arleux dans le Morvan. On en avait stocké une partie pour notre dernier événement qui avait été la Bringue à Arleux. Donc pour une pyramide de DVD, on proposait aux gens, sur l'idée des bibliothèques libres, d'échanger les DVD. On en prend un, on en ramène un et on fait vivre comme ça le cinéma. C'est un moment qui est pour nous important, comme je te disais, pour montrer ce qu'est une cinémathèque. Et également parce que du coup c'est la première fois qu'on est installé au centre-ville de Dijon et ça permet d'avoir de rencontrer le public, ce qui est primordial, et de pouvoir traiter de cinéma non commercial avec ce public. Je prends l'exemple, il y a quelques jours, un des
un visiteur nous a apporté un film en 16 mm sur l'inauguration de la fac de lettres à Dijon. Donc on a projeté en 16 juste ici. Et alors on avait déjà des archives de cet événement, mais là c'était un point de vue inédit puisque c'était un particulier, un amateur qui avait filmé. Et nous, les archives que nous avions jusque-là, on pense que c'est un montage universitaire. Et donc dans ce point de vue d'amateur, on a à un moment une manifestation qui était complètement occultée au montage sur la version universitaire. Et donc ces archives vont être numérisées et on va pouvoir organiser justement rapidement des projections de ces différents points de vue. Et ça ne fait qu'enrichir l'idée que des clients à l'entrée. Et les textes de la FIAF, il ne faut pas jeter ces films, tout doit être sauvé. Chaque point de vue est un point de vue inédit, d'un instant, d'un moment, et il est primordial de pouvoir les conserver pour pouvoir ensuite les valoriser, les ramener en permanence auprès du public. Et voilà, après il y a énormément de clins d'œil au cinéma, cinéphile, un peu partout. Je te laisserai explorer. Ça va de chez Guevara en passant par Mickey, Coppola.